Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette robe très chic et, et classe en même temps, euh, robe à, courte à volant. Donc, vous aurez besoin de quelques mesures nécessaires comme d'habitude. Je vais travailler sur la, sur la taille L. Donc, on va commencer avec tour de poitrine. N'oubliez pas de mettre les quatre doigts entre le corps et le ruban maître et le faire bouger comme ça. Voilà. Donc, maintenant, euh, épaules. Vous aurez besoin de la distance entre les épaules, comme ici. Tour de taille. Toujours on met les quatre doigts entre le corps et le ruban maître et on le fait bouger comme ça. Euh, on serait sûr que notre robe sera confortable. Donc le buste à partir du cou passant par les seins jusqu'à la taille longueur de la jupe et de la robe donc à partir de la taille jusqu'à la longueur voulue soit courte soit longue pour longueur manche on aura besoin de longueur coude ça veut dire à partir d'épaule jusqu'à le coude voilà et longueur du coude au poignet à partir du coude jusqu'au poignet voilà maintenant tour de manche c'est ici Ici pour tour de manche, mettez deux doigts entre le corps et le ruban maître et toujours le faire bouger pour être sûr que ça ne serait pas trop serré et n'auront pas besoin d'ajouter de, des onces. Aussi euh, tour de coude, voilà c'est tout. Donc on aura besoin de tour de poitrine divisé par 4, épaule divisé par 2 plus 1 cm et tour de taille divisé par 4. Donc passons pour notre patron. On aura besoin d'un rectangle de 75 cm sur euh, la, le buste. Ici j'ai 40. Je travaille sur ma taille L. Donc on va commencer ici avec le dos. Je vais laisser 1 à 2 cm pour euh, mettre la fermeture. Euh, donc j'ai laissé seulement 1 cm. Donc de, de 1 à 2 cm pour les débutantes. Donc ici 9 cm, on commence avec le col 9 sur 2. Voilà. Après, je vais utiliser épaule divisé par 2 plus 1 cm. Euh, faites attention, ne commencez pas avec le. le le, le Côté, mais à partir du 1 cm épaule divisé par 2 plus 1 cm. Maintenant, tour de poitrine divisé par 4, donc c'est 26 cm ici pour moi. Je vais ajouter 1 cm pour la couture et 2 cm pour la découpe euh, qu'on aura sur euh, le, le dos et le devant. Donc 26 plus 1 cm de couture plus 2 cm euh, de la découpe. Vous faites la même chose. Prenez votre tour de poitrine, divisez-le par 4 et ajoutez 1 cm de couture, 2 cm de la couture de la découpe. Donc euh, vous, êtes, euh, vous faites la même chose, euh, seulement changez euh, mes mesures avec vos mesures. Et garder le, le, ce qui reste donc ici je descends avec tour de poitrine divisé par 4 pour trouver euh, la ligne euh, de, du tour du poitrine la ligne du poitrine ici euh, je trace cette distance ici en pointillés je descends avec 3 pour tracer l'épaule la distance ici qui reste je la divise en deux voilà je la divise en deux, et pour ça, c'est la moitié. Et pour le dos, je vais entrer avec un centimètre. Je trace cette partie là, comme ça. Et ici, je vais monter avec deux centimètres pour une taille normale, quatre centimètres pour la taille XL, et six centimètres pour la taille double XL. Voilà. Donc ça, c'est pour les manches. Et ici, je vais entrer avec 2 cm sur la ligne de la taille. Voilà. Donc ça, c'est notre dos. Maintenant, on passe pour faire la découpe. Donc ici, je mesure cette, cette partie-là qui représente le de poitrine divisé par 4 plus 1 plus 2 cm. Je la divise en deux. Donc ici, c'est la moitié. Et je vais entrer avec 2 cm vers la gauche. Voilà, et je vais rassembler ces deux points de la moitié avec les 2 cm, et en bas, je trace une ligne droite. Voilà, donc ici, je vais ajouter ce 1 cm pour, euh, euh, pour que ma pièce sera bien finie à la fin. Donc c'est ça le dos. Donc ici les, le 1 cm que j'ai laissé c'est pour mettre la fermeture. Et voilà. Donc ici côté ouvert. Donc euh, ça c'est le dos. Tissu plié en deux. Donc voilà. Donc je vais repasser avec une autre couleur. Notre patron du dos. Donc ici pour euh, tour de taille, ici pour euh, euh, vérifier si cette mesure est... est... Eh bien celle-là qu'on veut donc tour de taille divisé par 4 plus 1 cm plus les 2 cm de couture, 1 cm de ce côté et l'autre et 1 cm de l'autre côté. Donc par exemple, ici 25 cm plus 1, ça serait 26 euh, plus 2, ça serait 28 cm. Donc ici si j'ai 25 cm, elle manque 1 cm, c'est pas grave parce qu'on a déjà pris les mesures avec aisance. Donc c'est bon. Je passe maintenant, mais vérifiez toujours avant de, de découper le tissu. Donc on passe maintenant pour le devant. On va mettre presque la même chose. Donc 9 sur 12 au lieu de 9 sur 2. Sur 12, voilà. Donc ça c'est le col du devant. Voilà. La même chose, épaule divisée par 2 plus 1 cm. Voilà, je descends avec des pointillés jusqu'à la ligne du poitrine. Ici, 3 cm pour tracer la ligne d'épaule. Et je trace tour de poitrine divisée par 4 plus 1 cm de couture plus 2 cm de la découpe. Donc, je monte avec 2 cm. Euh, je divise cette distance en deux. Et ici, pour le devant, je vais entrer avec 2 cm. 1 cm pour le dos, 2 cm pour le devant. Voilà. Et ça, c'est la ligne d'épaule. En bas, je vais entrer avec 2 cm. Voilà. Donc, maintenant, le de taille divisé par 4 plus 1 cm plus 2 cm de la découpe donc je prends cette mesure ici qui représente tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm de couture plus 2 cm de la découpe je le divise en deux je trace ici 2 cm vers la droite et je rassemble ces deux points avec cette manière là je trace comme ça une ligne droite jusqu'à la ligne de la taille et ici aussi je vais sortir avec un centimètre pour avoir une bonne finition à la fin. Voilà. Donc c'est ça notre devant. Le tissu toujours plié en deux et ici côté fermé. Voilà, donc je repasse avec une autre couleur. Mais avant, je vais enlever ici 2 cm parce que euh, le buste du dos est toujours plus petit que le buste du devant. J'ai dit que ici, le buste du, du dos est toujours plus petit que le buste du devant pour ne pas avoir la ligne de, de la taille. Euh, et plus bas que du dos, plus bas que la ligne de la taille du devant. Voilà, maintenant on passe pour euh, tracer le patron de la jupe de la robe. Donc, mais avant, on doit mesurer ici la ceinture ou bien tour de taille. On va la, la diviser en deux, c'est pas en quatre, pardon, c'est en deux, plus un centimètre de la couture. Donc, c'est. Ici c'est 2 donc tour de taille divisé par 2 plus 1 cm. Si vous voulez euh, avoir le patron du même modèle que le mien, euh, parce que j'ai plus de, de, de pinces, euh, c'est pas pince, plus de plis. Donc ici je trace un rectangle ou bien un carré. Donc ici, euh, si vous voulez pas. Euh, beaucoup de plis donc vous faites tour de taille divisé par 4 plus 20 cm euh, pour moi ça serait 45 cm donc euh, je prends cette mesure 51 cm donc ici c'est une règle donc je prends 51 cm et j'essaye de la chercher ici 51 cm. Je mets comme ça ma règle et je cherche les 51 cm. Voilà. Et je trace les 51 cm. Voilà, donc ici le tissu sera plié en quatre et sur les côtés, je cherche la longueur de la jupe volue. Donc ici longueur jupe plus 3 cm. 1 cm de couture en haut et 2 cm d'ourlet en bas. Et je fais comme ça euh, tout au long de, de cette ligne. Et voilà notre jupe volant. Donc euh, le tissu plié en 4. Je repasse toujours avec une autre couleur comme ça le notre patron sera clair. Donc ici c'est côté euh, ouvert. Ici côté fermé. Voilà, donc maintenant passons pour les manches. Donc je vais tracer un rectangle qui représente le tissu plié en quatre. Donc ici je cherche la longueur du coude, c'est 32 cm pour moi. Mais je vais ajouter un centimètre. Pour la couture donc longueur coude plus un centimètre de la couture voilà maintenant je cherche ici euh, le tour de manche divisé par deux de manche divisé par 2 plus 1 cm de couture donc si c'est 36 ça serait 18 cm plus le 1 c'est 19 cm en haut et en bas pour fermer notre rectangle voilà ici je trace 13 cm c'est une règle pour tout le monde pour tous les adultes voilà, ce petit rectangle, je la divise en, en deux et après, cette ligne, je la divise en quatre. Quatre parties semblables. Après, je monte ici avec un centimètre et je descends ici avec un centimètre. Donc ici je vais tracer 2 cm pour ne pas avoir euh, ici euh, les, les manches pointues sur les épaules et j'essaye de rassembler mes points avec cette manière. Voilà, c'est excellent. Donc ici euh, j'aurais besoin du tour du coude divisé par 2 plus 1 cm. Tour de coude divisé par 2 plus 1 cm. C'est 14 et demi. divisé par 2 plus 1 cm voilà et voilà donc ici pour les volants des manches donc euh, j'aurais besoin ici l'outil supplié en 4 ça c'est les manches donc J'aurai besoin de cette mesure ici, tour de coude divisé par 2 plus 1 cm et qui sera 15,5 cm. Donc je la multiplie en deux pour avoir plus de plis. Ça serait 31 cm. Donc je vais faire la même chose. Je vais la chercher ici, 31 cm. Voilà 31 cm, donc euh, même manière de la jupe de la robe. Donc, ici 31 cm, la tour de coude divisé par 2 plus 1 cm multiplié par 2. J'ai oublié d'écrire ici multiplié par 2. Donc, ici euh, longueur du coude. Au poignet, je vais utiliser la longueur du coude au poignet plus 3 cm, 1 cm de couture en haut et 2 cm d'ourlet en bas. De la même manière que la jupe, je vais faire ici. Je cherche longueur du coude de poignet plus 3 cm tout au long de cette ligne 31 cm. Suis toujours plié en quatre, voilà donc c'est ça notre manche, c'est ça notre patron. J'espère que tout est clair, j'espère que tout est facile. Passons maintenant pour le petit croquet. Donc euh, n'oubliez pas pour les nouveaux euh, de de s'abonner pour avoir plus de patrons. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, euh, laissez-les en commentaire, je réponds toujours. Donc euh, à bientôt pour le prochain vidéo et le prochain modèle inchallah. À bientôt.